Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en collaboration avec la boutique 7 Great. Alerte Black Friday, comme là, on peut voir très souvent sur les chaînes des copinotes et sur ma chaîne, hein, notamment. C'est le moment des Black Friday sur nos petites boutiques partenaires, dont 7 Great. Ils font pas mal de promos, donc je vous laisse aller voir en barre de description toutes les promos qu'il y a en ce moment pour les Black Friday. Je vais tout vous noter en barre de description, c'est jusqu'à la fin du mois de novembre, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y aura tout, même les liens, si j'arrive à vous les mettre, les liens des produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Allez, on va découvrir tout de suite ensemble ce que j'ai sélectionné. Alors, on aura une petite toile et deux objets, et vous commencez à connaître cet emballage sur ma chaîne. Ce sont deux paires de ciseaux. Allez, je retourne la première, et ce sont ces tout petits ciseaux. Je trouve le design juste trop beau. Je les ai déjà pris en version multicolore, et là, je les ai prises en version bronze. Et, ah ouais, ils sont déjà plus durs que ceux que j'avais reçus la première fois. Ils sont trop beau et pointu. Moi, j'aime bien les ciseaux pointus comme ça pour aller couper le fil à ras de la toile. C'est juste trop bien. Donc, franchement, regardez le design. J'adore. Et bon, franchement, il est juste trop beau, quoi. Donc, couleur bronze. Vous avez plusieurs couleurs. Hein. Or, argenté, je crois aussi. Bah, multicolore, comme je vous ai montré. Et là, voilà. Bronze. Trop beau. Ils sont trop beaux. Et donc ça, ces petits ciseaux-là, ils sont à 3,70 $. Voilà, sur la boutique de 7 Great. Et on va découvrir la deuxième paire. Et c'est... Tadam! Je vous l'ai déjà montré, mais dans une autre couleur. Là, je les ai prises en bleu. Bleu-violet. Très beau. Franchement, ils sont plus lourds, ceux-là. C'est incroyable. Ah, ils sont trop beaux, quoi. Bon, après, la couleur, je sais pas. Hein, je sais pas comment ça va tenir dans le temps. Et ils sont parfaits. Bien durs aussi. Bon, je suis sûre, si je fais un test, ouais, ça coupe très bien. Oh, ils sont trop beaux, quoi. On pourrait les prendre dans toutes les couleurs, quoi. La même paire de ciseaux dans toutes les couleurs. Pareil, vous l'avez en bronze, en doré, en argenté, en multicolore, en bleu. Trop, trop jolis. Ils sont vraiment très jolis et... Très bien, franchement très bien. Et ceux-là, ils sont au prix de 5,86 $. Voilà, bon, on va pas le faire, voilà, c'est tout, on va pas faire le tour pendant 3 heures, mais j'aime bien. Ils sont trop beaux. Hop. Allez, on va passer à la petite toile. Alors, si j'arrive, hop, à ranger ça. Donc, qu'est-ce que j'ai pu prendre comme toile? Donc, c'est la pochette type Joy Sunday. Maintenant, c'est cross-stitch, il me semble. Et on a toutes les instructions à l'arrière. Bon, ça, on a l'habitude de le voir, même si c'est écrit en anglais. C'est très facile à comprendre. C'est une toile que vous avez déjà vue. Et c'est... Tadam! La petite toile qui fait partie des 4 saisons. Ouais, je sais pas ce que j'ai avec les 4 saisons. Mais... Et donc ça, c'est l'été, la toile de l'été. Vous en avez 4 différentes, les 4 saisons. Et moi, j'ai choisi la toile de l'été. Il y a eu un petit moment, ça fait déjà un petit moment que j'avais choisi cette toile. Malheureusement, j'ai pas fait attention. Je l'avais prise en point compté. Je l'ai fait gagner. Et Laurence, si tu passes par là, c'est toi qui l'avais gagnée et elle l'avait faite. Et du coup, grâce ou à cause de ça, elle s'est remise au point de croix. Voilà, la petite anecdote au passage. Allez, on va découvrir le kit en espérant que je ne me suis pas trompée cette fois. Allez. Non, elle a l'air bien estampée. C'est parti. Donc, c'est une 14CT, c'est un tout petit projet. Il n'y a pas grand-chose en point arrière. Et on y va, et les couleurs, elles sont juste trop belles. Violet, rose, tout ce que j'aime. Regardez. Ouais, pas beaucoup de couleurs, hein. En même temps, vu la toile. C'est normal, je vais vous le mettre sur un fond blanc. Ouais, comme ça, peut-être, ce sera peut-être un peu plus parlant. Et donc, là, oui, cette fois, elle est estampée. Voilà, nickel. Donc, franchement, regardez le petit projet, il n'y a que 9 couleurs. Et on a, en backstitch, on n'a que ça, quoi. Ici, au niveau du bateau, je vais vous sortir
Non, il est là derrière. Ouais. Je me disais, voilà le patron. Hein. Il tient sur une toute petite feuille comme ça. Et en backstitch, on aura juste ça. Tac, tac. Rien d'autre. Regardez, c'est trop beau, quoi. J'adore. J'adore. Donc, on a les deux petites aiguilles ici. Donc, c'est la cartonnette comme ça qu'on aime bien avec les références ici au DMC. Voilà. Et donc, on a bien 9 couleurs. Ça va être juste top. Toute petite. C'est vraiment un tout petit projet en 14 CT. Donc, on a bien toutes les... Il n'y a même pas de symbole, quoi. C'est des carrés de couleurs. Voilà. Qu'on retrouve là sur la toile. Et puis, le backstitch ici, ce sera du noir. Vraiment, pas de secret. Pas de surprise. Ça va être juste... franchement, un petit projet bien tranquille. Et ça, c'est quoi en taille? Ils nous mettent 16 par 16. Mais bien sûr, c'est la taille de la toile. Hein. Franchement, regardez ma main, quoi. Elle fait le projet. Elle fait la taille de la toile. Voilà. Bah, que dire de plus? Pas grand-chose. Juste qu'une fois terminée, elle est toute mimi, voilà. Donc ça, c'est le type de projet qu'on peut faire si on débute. Et si on veut se voir terminer assez rapidement, parce que bon... Voilà, on sait très bien que le point de croix, c'est très long. Et donc, voilà, ça peut être sympa à faire. Sympa et assez rapide, voilà. Voilà pour ce projet qui est au prix de, sur la boutique de Seven Great, $3,71. Voilà, un tout petit prix. Quand je dis rapide, on s'entend bien. On sait très bien que le point de croix, c'est assez long. Donc, mais bon. Par rapport à un gros projet, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous me direz, en point compté, j'aurais peut-être pu la faire. Hein. C'est pas un projet compliqué. Mais non, en point compté, c'est vraiment pas pour moi. Donc, je l'ai reprise en estampé. Voilà pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Bah, écoutez, d'ici là, comme d'habitude, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut tout le monde.